Bonjour à tous. Le film commence avec deux hommes espionnant une belle femme nommée Pan depuis la fenêtre de sa maison à cause de sa beauté envoûtante et chacun d'eux souhaite épouser une belle femme comme elle et soudain, le mari de Pan, nommé Lang, arrive et se met en colère contre les deux hommes et leur demande de partir. Les deux hommes se moquent de Lang parce qu'il est petit et faible et lui demandent de divorcer de Pan parce qu'il ne la mérite pas et pendant ce temps, Pan entend la voix de son mari, puis sort rapidement et menace les deux hommes avec un bâton, ce qui les conduit à s'échapper. Après cela, Pan essaie d'aider Lang à se lever et ils entrent dans la maison mais Lang est offensé d'avoir été incapable de se défendre devant sa femme et commence à entrer dans un état dépressif. Le lendemain, Lang est à son travail et soudain, Lang voit une grande foule au marché et découvre que la raison de la congestion est la présence d'un puissant chasseur de tigres dans la ville. Lang se concentre sur les traits de l'homme et découvre que c'est son frère nommé Song qu'il n'a pas rencontré depuis longtemps. Lang essaie d'appeler Song mais ne le voit pas à cause des sons forts causés par beaucoup de gens rassemblés autour de lui. Lang essaie de renouveler l'appel à Song, qui se réjouit beaucoup quand il le voit et soudain, Lang tombe de l'échelle sur laquelle il se tenait et il semble que Song s'inquiétait pour lui alors qu'il quitte les gens et va rapidement voir son frère. Song dit à Lang qu'il lui manque, Lang lui demande de rentrer chez lui avec lui pour se reposer, puis les deux rentrent chez eux ensemble. Pan est surpris que Lang revienne tôt du marché et lui demande pourquoi. Lang lui répond en disant qu'il est venu tôt à cause de Song. Lang demande à Song d'entrer puis le présente à Pan, qui va préparer le déjeuner. Pan est surprise par la silhouette forte et belle de Song, complètement différente de Lang, et après avoir fini de déjeuner, Pan retourne dans sa chambre avec Lang et se souvient du jour où elle a épousé Lang. Il devient clair en remontant dans le temps que Pan n'était qu'une femme de chambre dans l'un des palais et un jour, le propriétaire du palais a tenté d'agresser Pan, mais la femme du propriétaire du palais a cru que c'était Pan qui avait essayé de le séduire. La femme du propriétaire du palais a décidé de punir Pan en épousant un homme plus âgé avec une forme laide et en effet, Pan a épousé Lang et elle s'est toujours sentie lésée d'avoir épousé un homme laid comme Lang. De retour au présent, Pan prépare le petit déjeuner et Song demande à Lang de le laisser l'aider à vendre des tartes au marché mais Lang lui dit qu'il doit se reposer car il a parcouru une grande distance pendant son voyage. Song refuse de se reposer parce qu'il était catégorique pour aider Lang et soudain, les gardes du juge arrivent chez Lang et disent à Song que le juge a entendu parler de sa force et a décidé de l'embaucher comme l'un des gardes de la ville. Lang se réjouit car il y a quelqu'un en ville qui peut le défendre devant les gens qui le harcèlent. Song reçoit son travail et il semble qu'il ait pu faire face aux nombreux crimes de vol, et c'est ce qui fait que tous les citadins l'aiment tellement qu'ils lui font constamment des cadeaux. Un jour, Pan entend les voix des gens qui parlaient de Song et essaie de regarder par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Pan voit des gens marcher derrière Song et ils sont fiers et admirent sa force. Pan se sent heureux que Song soit un membre de sa famille. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Shima apparaît qui semble être très riche et a du pouvoir dans la ville mais est un playboy et quand il voit Pan, il est choqué par sa charmante beauté et essaie de lui parler mais elle ferme la fenêtre et entre rapidement dans la maison. Shima demande au voisin de Pan nommé Hong, qui lui dit que Pan est marié et lui conseille de ne pas essayer de s'approcher d'elle car Lang est le frère de Song, qui est considéré comme l'un des gardes les plus puissants de la ville. Shima décide d'aller voir le juge et lui donne un pot de vin pour déplacer Song vers un autre endroit loin de la ville où ils vivent pour se débarrasser de lui et en effet, le juge accepte l'offre de Shima et décide d'exécuter le plan. Pendant ce temps, Lang vend des tartes comme d'habitude et soudain, la neige descend du ciel et tous les vendeurs décident de partir mais Lang décide de rester dans la rue pour vendre toutes les tartes qu'il a avec lui et à ce moment-là, Song demande à Lang de rentrer à la maison avec lui mais Lang refuse et lui demande de revenir seul. Song rentre chez elle et trouve que Pan a préparé le déjeuner, mais il s'avère qu'elle a bu trop de vin et essaie de s'approcher de Song, qui se met très en colère et la pousse au sol et lui dit qu'il la tuera si elle essaie de se rapprocher de lui à nouveau.
Pendant ce temps, Lan rentre chez lui et trouve Pan devant lui, qui lui dit que Song a essayé de l'attaquer. Mais Lan n'en croit pas ses paroles car il sait que son frère n'est pas du genre à se comporter de manière aussi malveillante. L'un des gardes du juge arrive chez Lan et dit à Song que le juge lui a donné une mission hors de la ville et qu'il doit l'accompagner immédiatement et en chemin. Lan accompagne Song et lui demande de ne pas être en retard pour lui. Song promet d'essayer de revenir rapidement. Le lendemain, Shimin se tient à côté de la maison de Pan et quand Wong le voit, elle lui demande de venir lui parler puis lui dit qu'elle sait très bien ce qu'il désire et dit aussi que Song a quitté la ville et donc Shimin a eu l'occasion de se rapprocher de Pan. Shimin lui donne un morceau d'argent et lui demande de l'aider à identifier Pan. Wong accepte et lui demande de revenir vers elle demain. Le lendemain, Wong demande à Pan de venir chez elle sous prétexte qu'elle aimerait vendre du tissu. Pan se rend chez Wong et voit le tissu mais lui dit que le tissu est trop cher et qu'elle ne peut pas l'acheter. Shimin intervient et dit qu'il est le propriétaire du tissu mais Pan s'excuse et dit qu'elle devrait rentrer chez elle quand elle voit Shimin devant elle puis s'en va et il semble que Shimin se sentait en colère parce que son plan a échoué. Le lendemain, Wong demande à Pan de revenir chez elle pour l'aider à coudre le tissu qui était avec elle et à la maison. Shimin revient à nouveau et Wong demande à Pan de prendre les tailles de Shimin car c'est lui qui a demandé à coudre des vêtements en utilisant le tissu puis elle va préparer la nourriture. Shimin ouvre une boîte pleine de bijoux et présente une pince à cheveux à Pan et lui demande de ne pas refuser son cadeau, mais Pan lui dit qu'elle ne peut pas accepter un cadeau coûteux. Shimin répond en disant que le cadeau n'est pas cher pour une femme comme elle et soudain, Wong entre et Pan est forcé d'accepter le cadeau puis retourne chez son mari, qui l'attendait. Lan demande à Pan où elle était parce qu'elle n'a pas préparé le déjeuner. Pan répond en disant qu'elle était chez Wong et dit aussi qu'elle ne préparera plus jamais de nourriture pour une vieille personne comme lui. Pendant ce temps, Song arrive dans la ville où le juge l'a envoyé, mais il remarque quelque chose d'étrange qui se passe parce qu'il est entouré d'un grand nombre de gardes. Puis il commence à s'inquiéter et soudain, l'un des gardes l'attaque et tout le monde se bat. Mais Song est très surpris car les soldats qui l'accompagnaient l'attaquent également et décide ensuite de se débarrasser de tous les soldats. Song oblige l'un des soldats à lui parler de la personne qui a incité les soldats à l'attaquer. Le soldat lui dit que Shimin leur a offert beaucoup d'argent en échange de le tuer. Song décide de mettre fin au combat et il semble qu'il a pu tuer les soldats avec une grande habileté puis s'en va. Pendant ce temps, Pan est chez Wong pour terminer son travail et comme d'habitude, Shimin est également à la maison. Wong les laisse seuls et s'en va. Shimin essaie de la harceler et de s'approcher d'elle par la force mais Pan le gifle et lui demande de rester loin d'elle mais Shimin était déterminé à la gagner. Pendant ce temps, Wong entre et voit la vue de Shimin et Pan, fait semblant d'être surprise et dit qu'elle informera Lang de ce qui s'est passé. Pan la supplie de le cacher à Lang et Wong accepte à la condition qu'elle fasse tout ce que Shimin lui demande de faire. Pan est forcé d'accepter et rentrer chez elle. Pan trouve Lang qui l'attend, qui préparait le déjeuner et lui demande où elle était. Pan répond en disant qu'elle était chez Wong, mais Lan lui demande de ne plus retourner chez Wong car sa réputation est mauvaise et tous les citadins disent du mal d'elle. Pan se met très en colère et dit à Lan qu'elle va chez Wong pour le travail et qu'elle ne se soucie pas que les gens parlent d'elle, puis s'en va. Le lendemain, Wong demande à Pan de venir chez elle parce que Shimin est là. Pan doit aller chez Wong mais l'ami de Lan voit Pan et soupçonne que quelque chose de louche s'est passé avec elle, puis décide de monter au-dessus de la maison de Wong et voit Pan avec Shimin. L'ami de Lan se tourne rapidement vers lui et lui dit que Pan le trompe. Lan se sent choqué puis se rend chez Wong et après son arrivée, il découvre que Pan le trompe en fait avec Shimin. Lan se met en colère et essaie de frapper Shimin mais il était plus fort que lui et essaie de frapper Lan jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pan s'effondre et ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle essaie de mettre Lan sur le lit et de le vérifier pour s'assurer qu'il est toujours en vie. Et soudain, Lan se réveille, lui attrape la main et lui dit que son frère Son n'aura pas pitié d'elle. Puis perd à nouveau conscience. Wong entre dans la pièce avec Shimin et dit qu'il devrait se débarrasser de Lang parce que Son n'aura pitié d'aucun d'eux s'il découvre ce qui s'est passé avec son frère. Shimin lui dit qu'il a essayé de tuer Son mais a échoué. Wong dit à Shimin que la solution est de tuer Lang et dit à Son que son frère était très fatigué et a pris beaucoup de médicaments en vain et est finalement décédé. Shimin l'interroge sur la méthode par laquelle Lan peut être tué sans montrer aucune trace sur son corps indiquant que l'incident est un meurtre et non une mort ordinaire. Wong répond à Shimin en disant qu'ils peuvent utiliser la substance de zinc toxique pour tuer Lan. Shimin apporte la substance de zinc toxique. Wong demande à Pan de mettre la substance dans la nourriture de Lan. Pan hésite un peu mais réfléchit à ce que Song peut faire avec elle après son retour. Pan est forcé de mettre du zinc toxique dans la nourriture de Lang et lui demande pardon pour tout ce qu'elle lui a fait.
mais Lang répond en disant qu'il est impossible de lui pardonner de l'avoir trahi. Wong ment à Lang en disant que Pan a parcouru un long chemin pour obtenir le médicament pour lui, puis demande à Pan d'apporter le médicament à Lang parce qu'il est sûr qu'il lui pardonnera après l'avoir pris. Pan lui offre le médicament et elle ressent des remords. Lang prend le médicament puis ressent une douleur intense dans son estomac et essaie de crier mais Wong se couvre le visage jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'il est mort. Le lendemain, Song retourne en ville après avoir parcouru une longue distance et est blessé, mais il remarque que tous les habitants essaient de s'éloigner de lui et que personne ne veut lui parler et soudain, Song voit l'ami de Lang qui s'enfuit aussi dès qu'il voit Song. Song essaie de rattraper l'ami de Lang et parvient à l'attraper et lui demande pourquoi les citadins ne veulent pas lui parler. L'ami de Lang répond en disant que les habitants ont découvert que Lang a été tué par Pan après qu'il a découvert qu'elle le trompait et personne ne veut lui dire parce qu'ils ont peur de la réaction de Song. Song est choqué et rentre rapidement à la maison et est surprise par le rituel funéraire de Lang et Pan semble faire semblant d'être triste à cause de sa mort. Song lui demande pourquoi Lang est mort. Pan lui répond en disant qu'il est mort de graves douleurs cardiaques. Song lui dit que Lang n'a jamais eu de maladie cardiaque de toute sa vie et s'en va. Song se rend chez le médecin de la ville et le responsable de la crémation des morts et lui demande la cause de la mort de Lang. Le médecin de la ville lui répond en disant qu'il a remarqué que quelque chose d'étrange s'est produit le jour de la mort de Lang. Surtout que Shimin lui a donné de l'argent et lui a demandé de simuler la cause de la mort de Lang et de dire qu'il est mort de douleur cardiaque. Le médecin de la ville présente l'un des os de Lang à Song et lui dit que la couleur noire qui apparaît dans les os indique que Lang a été empoisonné. Song conclut que Pan a trahi Lang avec Shimin et a décidé de le tuer, puis décide de se venger les deux. Song retourne chez Lang avec Wong après qu'il découvre qu'elle fait partie du plan et demande ensuite à Pan d'admettre la vérité. Pan essaie de nier et de blâmer Wong et dit qu'elle est la raison de tout ce qui s'est passé. Mais Wong le nie également et dit que c'est Pan qui a tué Lang et l'a trahi de son plein gré. Song décide de ne pas entendre trop de bêtises et tue Pan et après cela, Song se dirige vers le palais de Shimin en portant la tête de Pan avec lui mais trouve sur son chemin un grand nombre de gardes qui entrent dans une bataille acharnée avec Song. Song est capable de contourner les gardes et d'entrer dans le palais de Shimin, qui était situé parmi un grand nombre de gardes. Shimin promet aux gardes qu'il peut éliminer Song avec une grande récompense financière. Les gardes commencent à combattre Song en pensant gagner le prix. Mais il semble que Song était plus fort que tout et il semble qu'il ait pu en tuer un grand nombre et soudain, Shimin se joint au combat et Song jette l'épée dans sa direction mais ne touche pas la cible et ainsi, Song est dans la zone de combat sans épée. Song est capable de vaincre les gardes et il ne reste que Shimin devant lui, puis il évacue toute sa colère sur Shimin et le frappe plusieurs fois alors qu'il se souvient de son frère Lang et de son grand amour pour lui et à la fin du film, Shimin meurt des mains de Song, qui s'est vengé de tous ceux qui ont causé la mort de son frère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour regarder plus de résumés de films dramatiques et romantiques, merci.